Alors d'abord, Serbotel fait partie des plus grands salons de province, si ce n'est pas même le plus grand d'ailleurs derrière les gros salons. C'est un salon qui est très tourné toujours, ça, j'en suis à sa troisième édition, qui est tourné toujours vers l'innovation. Et dans une période où il faut innover aujourd'hui, dans une période où le consommateur change et où le modèle économique du restaurant va pas bien, on est dans une période de réinvention. Et quand on parcourt les allées du Serbotel, il y a plein d'innovations, il y a plein de réinventions, il y a plein de choses nouvelles qui sont très intéressantes pour le visitorat. Et je pense que le visitorat a dû encore grimper d'un cran cette année. C'est des ateliers de créatifs où il y avait du monde, les gens étaient très intéressés pour découvrir de nouvelles choses, voir ce qu'il y avait en innovation. On leur expliquait comment on montait une carte, comment on communiquait aujourd'hui, parce qu'il y a une nouvelle façon de communiquer. Cet après-midi, il y avait une conférence plus importante sur l'innovation dans la restauration. Bah, bref, il y avait beaucoup de monde.